Je vais prendre ma boîte noire. Que vous écoutiez la conversation. Allô? Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, on se comprend. Quel coup? Non, le délégué général ne peut pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je passe. Il t'a appelé, il t'a chez moi. Laisse tomber. Je vous laisse. Non, cher ami. Non. Il t'a pas appelé. Il t'a chez moi. Non, c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil. Je suis en deuil. Oui, d'accord. Ben, ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me combattez. Non, moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Alors, est-ce que. Voilà la vérité. Non, attends. Depuis. Attends, depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non. On est de voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Mais n'oubliez pas que le monde peut changer. Non, mais je suis en train de dire, attends, SG. Vous pensez que Paul Vianney ne commande plus ce pays? Non, mais je ne bon, quand tu me. Attends, entre nous, entre amis, quand tu me dis pas me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, je dis, mais parce que. Tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis encore? N'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans? Non, ne fais pas de confusion. J'ai dit, quand je veux raconter ça au garde des sous, il va te regarder comment? Non, mais je suis en deuil. On vient me rendre visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier si je suis pas en deuil? De toute façon, bonne nuit. Merci. Mais le monde est petit. Merci beaucoup. Non. Merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. Non. Mais moi je suis pas. Moi, je ne fais pas la langue de bois. Si vous voulez enlever vos policiers, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Mais vous prenez même pour qui? Non, ok, bon, merci. Hein, vous prenez pour qui? Bon, merci. Comment? Merci. Je vous rappelle donc là que voilà le premier policier du Cameroun qui tremble devant monsieur Amougou Belinga. Je vous dis bien, il est commissaire divisionnaire. C'est lui qui dirige ou a dirigé Interpol. Et M. Amougou Belinga lui dit qu'effectivement, lui, il va souvent voir le ministre Laurent Esso pour la promotion de ses petites. La promotion des petites du plus grand... C'est hallucinant. Le plus grand policier camerounais, il rampe devant Amougou Belinga. Vous avez suivi comment il se lui dit? Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de rien si vous voulez vous enlever vos policiers. La police camerounaise est supposée s'occuper de la sécurité des Camerounais. Mais elle s'occupe d'Amougou Belinga. Amougou Belinga dit d'ailleurs que c'est lui qui fait des rapports à Laurent Esso. Et c'est Laurent Esso qui nomme les magistrats. Paul Biya, on vient seulement, on met sa signature. Je voudrais que vous réécoutiez, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, cette conversation. Allô? Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, on se comprend. Quel coup? Non. Le délégué général ne peut pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je passe. Il t'a appelé, il t'a chez moi. Laisse tomber, je vous laisse. Non, cher ami. Il t'a pas appelé, il t'a chez moi. Non, c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil, je suis en deuil. Oui, d'accord, ben, ne t'énerve pas.
suis énervé. C'est vous qui me combattez. Non, 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 moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, alors est-ce que. Voilà la vérité. Non, attends, attends, depuis qu'on. Attends, attends, attends. Attends, depuis qu'on t'a nommé. Depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non. On est de voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Mais non, n'oubliez pas que le monde peut changer. Non, mais je suis en train de dire, attends, SG. Vous pensez que Paul Biyane ne commande plus ce pays? Non, mais je ne bon, quand tu me. Attends, entre nous, entre amis, quand tu me dis, me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que, mais dit, mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, 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 je dis, mais parce que tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Oui, mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis encore? N'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans? Non, ne fais pas de confusion. Vraiment, j'ai dit, quand je veux raconter ça au garde des sous, il va te regarder comment? Non, mais je dis, je suis en deuil. On vient maintenant de me dire, est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier si je suis pas en deuil? De toute façon, bonne nuit. Merci. Mais le monde est petit. Merci beaucoup. Non. Merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. Non. Mais moi, je suis pas. Moi, je ne fais pas la langue de bois. Si vous voulez enlever vos policiers, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Mesdames et messieurs. On arrête là. Je pourrais vous faire écouter dans les jours qui viennent d'autres conversations où M. Amou Belinga donne aussi des ordres à ceux qui sont à la présidence, au ministre, comment il obtient ces marchés. Moi, je vous ai dit, je suis un journaliste d'investigation. Ceux qui ne connaissent pas qui je suis depuis 30 ans peuvent m'affubler de n'importe quelle épithète. J'ai dit, quiconque, qu'il soit de ma tribu, qu'il soit un frère, qu'il soit n'importe qui est malhonnête, qui est dans le faux, je vais l'étaler ici. J'ai toujours dit, le jour où quelqu'un constate que j'ai trempé au Cameroun, ou que j'ai des influences négatives sur la politique camerounaise, ou que j'ai pris un centime des ministres, qu'ils sortent cela. Quel est ce pays, quand vous-même vous écoutez, où les autorités peuvent être totalement à plat ventre devant quelqu'un qui officiellement, je dis bien, doit de l'argent à l'État, a participé à la lune de Campos avec Atanganji. Pendant ce temps, ce sont les journalistes qui sont en prison. Quel est ce pays où vous voyez le ministre de la Justice qui va dans des coucheries bizarres, d'homosexualité et autres? Quel est ce pays où vous allez voir un secrétaire général de la police s'aplatir devant un promoteur de télévision? D'ailleurs, M. Amou Belinga, dans la logique, dans un pays normal, ne devait pas être propriétaire de chaînes de télévision, ou alors il est propriétaire de chaînes de télévision et sa femme quitte la magistrature parce qu'il y a un conflit d'intérêts. On ne peut pas être l'épouse d'un homme d'affaires et on a promu magistrate hors hiérarchie. C'est ça qui nous amène à nous demander et à confirmer que Paul Biya ne dirige pas ce pays. C'est ça qu'il faut conduire des gens.
revendiquer une fois de plus la vacance du pouvoir. On ne pouvait pas faire ça une seule fois comme ça et puis on s'arrête là. Lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer devant nous, quel est ce pays qui est dirigé par un ministre de l'administration territoriale à Tangandji, qui dresse une milice dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, les finances pour aller tuer des gens. Et avec ça, les gens vont nous dire, c'est nous qui saccageons l'image du Cameroun. C'est nous qui n'aimons pas l'armée camerounaise. Je devrais quand même vous dire que c'est la présidente de la République qui a eu à prescrire une enquête pour les crimes de guerre. Et ce n'est pas moi qui ai dénoncé. C'est l'ONU qui a poussé le régime Biya. Lorsque aujourd'hui, vous vous retrouvez donc avec un grand sportif du Cameroun en train d'aller célébrer cette armée, en train d'aller se filmer et en train de se taper au torse qu'il est patriote, on se pose des questions. Monsieur Francis Ngannou, idole d'Afrique, idole du Cameroun, parce que de par sa force physique, il a réussi à s'imposer à travers le monde grâce à ses coups de poing et non grâce au régime Biya. Mais aujourd'hui, celui qui devient le porte-flambeau de ce régime, Monsieur Francis Ngannou, était déjà un excellent boxeur. Il avait une force physique hors norme. Le régime Biya l'a-t-il reconnu? Le régime Biya l'a-t-il recruté? N'y avait-il pas le pire? Le pire était là. Mais M. Ngannou n'a pas été reconnu. M. Ngannou s'est lancé dans la course au désert pour fuir la misère, pour fuir sa terre. Il a fait des jours et des nuits sans manger. Il a traversé la mer et il est arrivé en France. Il a été dans un foyer.